seras tout nu devant le grand trône blanc. Que présenteras-tu à Dieu au jour du jugement? Que ramèneras-tu au roi au jour du grand bilan? Une âme chétive, Dieu n'y prend point plaisir. Une âme affamée, Dieu n'y prend point plaisir. Une âme malade, Dieu n'y prend point plaisir. Nourris-la pendant qu'il est temps. Affermis-la, il est encore temps. Oh, soigne-la pendant qu'il est temps. Jésus est le pain de vie qui rassasie ton âme. La Bible est l'eau de vie qui la désaltère. Médite-la pendant qu'il est temps. Écoute-la, il est encore temps. Oh, garde-la pendant qu'il est temps. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de la parole de Dieu. Que présenteras-tu à Dieu au jour du jugement? Qu'apporteras-tu au roi au jour du grand bilan? Une âme souillée, Dieu n'y prend point plaisir. Détruit par le péché, Dieu n'y prend point plaisir. Rempli de haine, Dieu n'y prend point plaisir. Lave-la pendant qu'il est temps. Purifie-la, il est encore temps. Et repends-toi. L'amour de Dieu qui rassasie ton âme, ressaisis-toi pendant qu'il est temps. Relève-toi, il est encore temps. Sanctifie-toi pendant qu'il est temps. Et apprête-toi, il est encore tout nu devant le trône de Dieu, sans ton corps et sans tous ses vêtements. C'est là que tu te rendras compte que tu as perdu ton temps à n'entretenir que ton corps. Tu ne pourras pas dire je ne le savais pas, car la chair ne sert vraiment de rien. Entretiens plutôt ton âme, c'est elle qui est éternelle. Bolingo nangai na Yesu, bolingo ya sukate, yango de Elisa kanga.